Pour définir Fraternel, je dirais que c'est un roman d'anticipation qui se base sur des faits réels que j'ai soigneusement découpés dans la presse durant quelques années. Et je suis tombé par hasard sur un fait divers assez amusant que racontait Le Parisien, faisant état d'un geste anti-républicain au possible, puisqu'un jeune homme avait été surpris en train d'uriner sur la flamme du Mont Valérien et avait été arrêté par la police. Et c'est quand j'ai découpé cet article, on était dans une période où on conspuait la Marseillaise au Stade de France, etc. Il y avait une levée comme ça de haine et de mécontentement face au symbole de la République. Et à partir de ça, c'est le point de départ du livre, c'est cet acte antipatriotique qui est filmé par, j'imagine moi, un fils de la très haute société française qui se lâche un petit peu, qui se lâche beaucoup sur les symboles de la patrie et de sa fratrie à lui. Et à partir de là, il va falloir, cette vidéo faisant le tour du monde, il faut absolument l'éradiquer des réseaux sociaux, il faut l'éradiquer si possible de tous les disques durs de la planète. Et c'est le début de cette histoire qui va déclencher l'air de rien par une sorte de gigantesque effet papillon qui va finir par déclencher une apocalypse joyeuse et anti-technologique sur toute la planète. Alors je dis bien apocalypse joyeuse parce que j'ai pas pris le parti de faire un roman apocalyptique à l'américaine avec pandémie, tsunami, fonte des glaces et fin de l'humanité. On est plutôt dans un renouvellement de l'humanité de manière assez joyeuse et assez libertaire. Je me suis amusé à changer les noms d'entreprises. Une grande entreprise d'informatique qui s'appelle Au Pied. Il y a effectivement des iPhones de nouvelle génération souples qui apparaissent. Il y a la destruction de la planète aussi. Il y a des explosions de méthane, par exemple, en Sibérie. Ce sont des choses qui sont déjà en cours en ce moment. Il y a la fonte du permafrost, etc. Je me suis constamment appuyé sur des coupures de presse et des articles en cours, et à partir de ça, j'ai bâti une fiction plus délirante et plus libre, regardant le monde d'aujourd'hui avec un œil à la fois cynique, amusé, mais quand même plein d'empathie et plein d'espoir. Je ne tenais pas à faire un livre qui soit un livre noir, un livre de désespoir, mais plutôt un ouvrage de résilience sur le monde d'aujourd'hui. C'est un ouvrage que j'ai écrit vraiment dans une période qu'on a tous connue, une période très difficile avec les attentats, avec la montée du terrorisme, avec Daesh. Et moi, j'ai voulu prendre le contre-pied tout en étant totalement plongé dans cette époque extrêmement anxiogène que nous sommes en train de vivre. J'ai résolu d'écrire un ouvrage totalement anxiolytique, justement pour rire de nos peurs, de nos travers. Et puis, par le biais de la fiction, on peut libérer l'esprit, on peut s'évader, on peut se faire du bien, en fait. Et donc, c'est aussi un livre pour se faire du bien avec tout le mal contemporain, ou grâce à tout le mal contemporain. C'est un roman au monde parce qu'il se passe, il y a plusieurs histoires qui démarrent en même temps. Il y a une histoire qui démarre sur le Mont Valérien, il y a une autre histoire qui démarre dans les tours de la Défense, et puis après on est en Sibérie, après on est au Pérou, enfin en Amérique du Sud pour être plus juste. On va aussi se promener à Sarajevo, on va se retrouver à Tchernobyl, donc plein d'endroits très disparates et très différentes de la planète, mais tout ça va se lier pour faire un roman au monde, voilà, un tour amusé et un tour libertaire et libératoire sur notre époque, et notamment sur le thème de la religion qui est assez central dans le livre, parce que j'ai mis au premier plan un personnage qui existe, mais dont j'ai totalement travesti à la fois l'identité, le parcours, etc., qui est celui d'un jeune prophète qui est un imam homosexuel, séropositif, toxicomane, et qui désire engendrer un nouvel islam libertaire et dans la tradition du soufisme. Donc on est dans une quête, tous les personnages sont dans une quête assez lumineuse, une quête qui pourrait être celle du XVIIIe siècle. Si on veut résumer le livre, c'est Diderot qui aurait rencontré Tarantino, c'est un peu ça.
Le livre est déjanté. L'auteur n'était pas déjanté quand il a écrit le livre, mais l'auteur, c'est bien parce qu'il parle de lui-même à la troisième personne, très, très Jules César. C'est plus. Moi, je me suis. Je pense que on vit aussi dans une période qui est effectivement déjantée, qui est aussi une époque sous influence et sous influence de beaucoup de substances, que ça soit les hallucinogènes, que ça soit le cannabis, que ça soit l'alcool, que ça soit même l'addiction à la technologie, etc. Donc le parti pris imaginaire, c'était vraiment de lâcher la bride totalement, voilà, aux capacités de la fiction. Donc c'est pas un ouvrage qui a été écrit sous influence, mais c'est un ouvrage qui décrit une époque sous influence. J'aurais tendance à considérer que dans le domaine du romanesque, c'est l'imagination, du romanesque pur, c'est l'imagination qui prime. Moi, j'ai démarré comme beaucoup d'auteurs en commençant par l'autofiction, mais l'autofiction, c'est un marchepied pour se donner le courage d'inventer et de sortir de soi-même, de sortir de sa vie pour s'ouvrir, pour être disponible au monde. Et c'est vrai que on finit toujours par être sous influence des auteurs qui vous ont marqué quand vous étiez jeune ou étudiant. Et moi, les auteurs qui m'ont marqué, c'était quand je faisais mes études, c'était vraiment les auteurs latino-américains, ceux du grand réalisme magique, les Alejo Carpentier, les Cortázar, les García Márquez, et puis la littérature américaine, Dos Passos, Steinbeck, Styron. Moi, si j'ai un exemple, un écrivain que je trouve extraordinaire aujourd'hui, ça reste quand même Tom Wolfe. Et puis les grandes fresques façon Balzac, voilà, les romans qui racontent le monde. C'est ce que j'ai envie de lire, que je continue à avoir envie de lire de manière privilégiée, et c'est ce que j'ambitionnerai de réussir à faire un jour ou l'autre. Il y a autre chose qui m'influence, c'est d'abord ce sont l'écriture des séries télévisées, par la façon de chapitrer les histoires et donc quiller les histoires les unes dans les autres. Et puis je reste un grand fan de science-fiction. Donc sans écrire un roman de science-fiction, c'est sûr que je lâche la bride joyeusement sur des nouvelles technologies, sur les ouvertures de la conscience, et puis je reste aussi fidèle aux années que j'ai connues actuelles ou à Nova auprès de Jean-François Bizot. Il y a tout un héritage très libertaire, libertin, très affranchi, voilà, enfin, de dire ce qui est la définition du mot libertin, hein, très affranchi par rapport aux valeurs, par rapport aux diktats sociaux, par rapport aux diktats religieux, par rapport à ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de penser. Et aujourd'hui, on est dans une période où on est quand même dans un retour de « il faut penser comme ça, il faut agir comme ça, il est bon de se tenir à de revenir à des images ou à des stéréotypes » et c'est pas du tout ce que j'ai envie de proposer en termes d'écriture.